Voici pour une nouvelle vidéo. Donc là, vous pouvez voir le travail du lavis sur l'intégralité du décor. Donc ça là, on dirait qu'il a un aspect vieilli maintenant. Et le bleu a pratiquement disparu. On voit que c'est toujours du bleu. Mais voilà, le lavis s'est rajouté. Il a modifié un peu la teinte. Il est encore plus foncé maintenant. Donc pour nous avoir un rendu réaliste, bah, c'est beaucoup mieux. Ici, je suis passé à la prochaine étape, c'est-à-dire une fois que le lavis est posé, on a assombri le décor. Maintenant, on va l'éclaircir, parce qu'un décor qui serait naturel, vous avez des parties sombres, des parties claires, des parties abîmées, etc. Donc la prochaine étape, ça va être d'éclaircir tout ça. Donc ici, j'ai utilisé le bleu qui, de base, m'avait servi à faire le bleu du décor, sauf qu'il était foncé, mélangé avec du noir. Ici, c'est le bleu sans aucun mélange. Donc ça va éclaircir du décor. Donc il va y avoir des touches de bleu un peu plus claires partout. Voilà. Le but, c'est d'avoir vraiment quelque chose de mélangé. Et je vais vous mettre en lien un tuto décor que j'avais, dont je m'étais largement inspiré pour faire mon premier décor. Un tuto très très bien fait. Je le mettrai aussi en lien dans les autres vidéos parce que je trouve que c'est évidemment un tuto bien meilleur que celui que je vous fais là. Donc voilà, prochaine étape, ça va être éclaircir le décor. Je vous remonte ici un peu, hop, sur les côtés, voilà. Donc on cherche à uniformiser tout ça, de donner un aspect vieilli, réaliste. Faut pas que ça ressemble à un bout de plastique. Et voilà, j'ai fini d'éclaircir avec du bleu, en rajoutant du bleu moi-même sur certaines zones, voilà. Et j'ai commencé un brush. Alors, un brush, c'est ce que vous voyez par exemple sur cette partie-là. Sur cette partie-là, donc là c'est un brush argenté. Un brush, c'est, vous allez souligner tout ce qui dépasse, tout ce qui est en relief, grâce à un pinceau sur lequel vous déposez très très peu de peinture. On appelle ça du brossage à sec. Donc, ici j'ai choisi une couleur argentée, un effet argenté métallisé. Hop. Si vous, je sais pas si vous le voyez bien, normalement oui. Ici il y a un effet argenté, ici aussi, et là pas encore, et sur les dalles pas encore. Donc, on ouvre notre petit pot. Juste le bout de notre pinceau, voilà, hop, on en retire. Et là, ce qu'on ne veut pas, c'est peindre notre décor avec cette couleur, avec ce brush. Donc on a d'abord à essuyer notre pinceau. Voilà, vous l'essuyez, vous enlevez une bonne dose de peinture. Je vais prendre que celle-ci, voilà. Donc ici, en passant votre peinture, vraiment le bout. Vous allez déposer un tout petit peu de peinture. Et vu que la peinture est sec, et vu que vous en déposez vraiment le minimum, si je vais encore remettre, parce que finalement, je n'ai pratiquement pas déposé. Voilà. Finalement, tout ce que vous déposez, ça ne peut se mettre que sur ce qui est en relief, sur les parties qui ressortent. Donc le lavis, c'était le contraire, une peinture très liquide. Vous allez combler tous les trous, toutes les crevasses, etc. Et avec le brush, une peinture à sec, tout ce qui arrête, voilà, tout ce qui ressort, c'est ça que vous allez mettre en valeur. Donc, dans l'idée, votre lavis, c'est toujours quelque chose d'assez sombre, plus sombre que votre couleur de base. Et le brush, c'est le contraire. Si vous voulez faire ressortir, vous utilisez une peinture plus claire que votre décor général. Donc ici, il n'y a encore rien de fait. Hop, je récupère un peu de peinture. J'en enlève pas mal. On vient pas appuyer pour mettre de la peinture. Donc ici, c'est un aspect métallisé. C'est pour rendre un peu un aspect de pierre, une teinte. Voilà. Ici, c'est pas mal.
Si on vient brosser comme ça. Donc le lavis et le brush, c'est vraiment ce qui donne vie à votre décor. Ça sèche pratiquement tout de suite, le brush. Très très rapide. Bon, ici c'est l'arrière du décor, c'est pas très important. Sur le dessus, on voit pas grand chose, donc je vais rajouter. Voilà, il me reste donc la grande dalle à faire. Et puis, j'ai peut-être terminé avec la peinture sur ce décor. Je peux encore continuer, mais ça serait pour faire des choses qui seraient très 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 peu visibles. Voilà, donc tout ce qui est les arêtes, c'est intéressant de les mettre en valeur avec ça. Donc là le brush, donc cette peinture à sec, je pourrais la continuer. Je vais peut-être la continuer sur le sol pour apporter un peu plus de couleur. Donc prendre quelque chose de plus clair dans les tons beige, si je peux. Et sur le décor en lui-même, peut-être un peu de blanc. Pour quelques arêtes apparaissent blanches ici, comme si une pierre s'était abîmée avec le temps, évidemment. C'est l'effet que l'on recherche, voilà. Je vais faire le tour. C'est vraiment très léger. On vient marquer les arêtes pour les faire ressortir. Ensuite, j'ai la même chose à faire sur l'intégralité. La dalle, enfin des dalles. Je vais secouer mon pot de peinture. Faites attention à votre premier coup de pinceau, c'est souvent sur celui-ci qui a le plus de peinture là ici. Sur mon premier coup de pinceau, j'ai mis beaucoup trop de. Ça ressort beaucoup trop.
Donc voilà, je vais continuer jusqu'à temps d'avoir marqué toutes les arêtes. Voilà. Ensuite, peut-être un brush encore plus clair, voire carrément blanc. Et ensuite, je pourrais coller les plaques. Ensuite, vernir et ça sera terminé.